Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour un autre privilège de venir recevoir de toi. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux pour déverser l'abondance sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous vers le rocher très élevé, le rocher Jésus-Christ qui a été frappé à la croix du calvaire. Nous prions que l'abondance des bénédictions célestes pleuve sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde, la plénitude de ton salut, de ta bénédiction, de ta présence, la plénitude de ta sainteté, la plénitude de ton Saint-Esprit déverse cela sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que les terres sèches deviennent, les terres arides deviennent fertiles et que les tièdes deviennent passionnées, que l'abondance du trône de Dieu vienne sur tout le monde. Et tout ce que nous imposons notre main à faire, que la puissance du Seigneur descende sur tous au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi au milieu de ton peuple et que tout besoin soit subvenu et que jusqu'à ce que ton peuple sache que le ciel a déversé l'abondance sur tous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes venus à ce message très important. Vous voyez, un message très important. On voit ce que le Seigneur a pour nous. Cela réjouit le cœur de l'homme de découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Je prie que cette découverte soit la vôtre au nom de Jésus-Christ. Nous voyons Exode 17. La provision et la suffisance divine du rocher frappé. La provision et la suffisance divine du rocher frappé. Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils chicanaient, ils s'étaient fâchés. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur dit, leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi chicanez-vous avec moi? Pourquoi initiez une querelle avec moi? Calmez-vous. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Toutes les fois que vous avez un problème, un défi, au lieu de prier, priez avec foi, avec attente, au lieu de prier en s'attachant, en s'accrochant, en dépendant de la parole de Dieu, au lieu de prier, alors vous faites quoi? Vous cherchez querelle, vous mettez en colère et c'est une tentation. Au Seigneur, c'est dit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il était le dirigeant que le Seigneur a nommé. Il devait les conduire à la terre promise. Et il murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte
pour me faire mourir de soif à mes enfants, avec mes enfants et mes troupeaux. Et Moïse cria à l'Éternel, Dieu merci pour les dirigeants qui prient. Voilà, si cela ne tient qu'aux enfants d'Israël, si cela ne tenait qu'à eux, ils vont demeurer, ils allaient rester dans leur pénurie, dans leur souffrance. Mais Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Pensez-y. Verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta maison ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frappes le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. C'est ainsi que Dieu a étanché leur soif. C'est ainsi que le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Le rocher était là. Et la verge était dans la main de Moïse. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit, frappe le rocher et une abondance d'eau en sortira. Et il en a fait. Et on nous dit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même breuvage, le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Pensez à cela. Le Nouveau Testament fait une application de ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était une manne, la manne physique, le pain qu'ils ont mangé pour satisfaire leurs besoins physiques, leur faim. Maintenant, c'est dit qu'ils ont mangé le même aliment, ce qui était physique, ce qui était naturel. Ce qui était matériel dans l'Ancien Testament, maintenant c'est spiritualisé. Et le Seigneur nous dit dans ce passage que nous lisons, que ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament est devenu quelque chose de spirituel dans le Nouveau. Que vous regardez et l'implication spirituelle et l'application spirituelle de cela dans votre vie, la provision que le Seigneur a faite, il a parlé de l'eau hors du rocher au lieu seulement de parler de l'eau ordinaire qu'ils ont bu et qui a étanché leur soif physique. Maintenant, c'est dit que ils ont bu et ils buvaient à un et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était qui? Christ. Le rocher était Christ. La provision et la suffisance divine du rocher frappé. Cela se réfère à Christ. Donc, qu'avons-nous? Comme le breuvage spirituel. Vous allez voir la parole de Dieu et Christ lui-même, comment il a fait usage de cette eau, ce que cette eau représente. Vous allez voir ce que l'eau-là doit pouvoir à notre vie et nous donner la suffisance des bénédictions venant du rocher frappé, du rocher venant du calvaire. Numéro 1, le salut gratuit à travers le Christ frappé. Le salut gratuit, le salut gratuit provenant du rocher frappé, le Christ frappé. 2. La pleine sanctification, pas partielle, l'entière sanctification, complète, absolue, complète.
la sanctification entière à travers le Christ frappé. Regardez l'eau qu'ils ont bu. 1 Corinthiens 10 a dit qu'ils ont tous bu de ce breuvage spirituel. Et tout est spiritualisé. Le salut gratuit, l'entière sanctification et toi, la plénitude de l'esprit à travers le Christ frappé. La plénitude de l'esprit à travers le Christ frappé. Numéro 1. Quel est le numéro 1 encore là-bas? Je dis, quel est le numéro 1? Prêchez cela, criez-le. Le salut gratuit à travers le Christ frappé. À commencer, Christ était frappé. Et Christ était crucifié. Voici ce que la Bible nous dit en Ésaïe 53. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé. Frappé de Dieu. Et humilié. Il était frappé lorsqu'il était crucifié, lorsqu'il était cloué à la croix, lorsque le sang sortait de son côté. Et c'est dit, il était frappé de Dieu. Pourquoi cela? Pour notre salut, verset 5. Mais il était frappé pour notre péché, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, dites-le-moi, que nous sommes guéris. La guérison physique, la guérison spirituelle, le salut pour l'âme, le salut pour l'esprit, le salut qui nous prend d'ici au ciel. Et si c'est Dieu, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel à faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cela vous montre donc que cette eau qui était sortie du rocher frappé représentait l'eau de la purification, l'eau du salut, l'eau qui représente le salut, le pardon, la rédemption au peuple de Dieu. Voyons comment le Seigneur Jésus a fait le lien entre l'eau et le salut. Jean chapitre 4, Jean 4, 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Où est-ce là le Christ frappé, le rocher frappé, nous donnant de l'eau de vie, de l'eau vive. La Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Comprenez? La femme était assoiffée de plaisir. C'est quoi? Elle allait d'homme, d'un homme à un autre homme. C'est pourquoi Jésus dit que je te donne de l'eau. Elle était assoiffée de ce que le monde offrira. Mais Jésus lui a dit que, tu vois, tu as besoin de cette eau pour ne plus être
assoiffé. Jésus, oui, n'est pas un prédicateur qui confronte, mais il est un sauveur sage. Il veut attirer la femme là au salut. Que tu es satisfait des autres choses, mais tu n'es pas satisfait du salut. Tu vas d'un homme à un autre homme, donc il n'y a pas encore de satisfaction. Mais si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui prendra de l'eau vive de moi n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jésus-Christ a parlé du salut. Il a dit, je te donnerai de l'eau. Lorsque je te donne de cette eau, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif des choses qui t'affament, qui t'assoiffent. Le Seigneur nous parle du rocher frappé, du Christ frappé, l'eau vive, le salut qui provient de Christ, de son côté, de ses mains. Et il nous donne cela. Et si vous goûtez cette eau, vous n'aurez plus, sinon, le désir pour la fornication, pour la mondanité, pour un homme, ensuite un autre homme, une femme, encore une autre femme. Non, il y aura un changement. Votre soif sera étanchée, la joie du Seigneur vous remplira et vous satisfera et saturera votre vie. Et les choses derrière lesquelles vous courez, les choses de ce monde, ces choses disparaîtront et vous n'aurez plus soif d'avoir plus d'argent, mais vous serez satisfait. L'eau que je te donnerai et deviendra en toi une source d'eau qui gérera jusque dans la vie éternelle. Ésaïe 12, l'eau représente le salut. L'eau représente la satisfaction qui provient du fait de connaître le Seigneur. Ésaïe 12, verset 2. Ésaïe 12, 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Voilà le verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. L'eau là représente le salut. Voilà les enfants d'Israël, comme ils étaient sortis, et le Seigneur voudrait les utiliser pour un exemple, afin que nous, les générations venant après, que nous voyions comment avoir quelque chose pour satisfaire notre âme, pour satisfaire notre cœur, pour satisfaire tous les besoins que nous avons. Et cette eau qui était sortie du rocher au désert, le désert de ce monde nous rend soif de plusieurs choses. On cherche ceci et ceci, que si j'ai ceci, je serai satisfait. Si j'ai ceci, je serai satisfait. N'est-ce pas, vous pensez comme ça lorsque vous étiez jeune? Si j'ai ce diplôme, tu iras bien pour moi. Mais vous avez le diplôme, mais tu n'es pas encore, vous n'êtes pas satisfait. Vous avez encore soif. Lorsque j'aurai ce boulot-là, je serai bien satisfait. Et vous avez déjà le boulot, mais tu ne vas pas encore. Tu ne vas pas bien. Et lorsque j'aurai cette promotion là, mon salaire est augmenté à 5%, 10%, ça va pour moi. Mais on a fait cela, mais après la promotion, mais la première semaine ça va bien pour vous, deuxième semaine après, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais que pourrais-je faire avec ceci? J'ai besoin de plus. Cela ne satisfait jamais. C'est lorsque je me marie à une femme ou à un homme, parce que je sais que, alors déjà je suis maintenant mûr, je le sens dans mon corps, mais cette solitude, je veux marier pour être en état, va bien. Mais après le mariage, non, vous n'êtes pas satisfait. Mais j'ai une femme, mais cette femme là déjà elle vieillit, cette femme ne me satisfait plus, donc je vais avoir une autre femme. Vous avez une autre femme, mais êtes-vous satisfait? Non, vous n'êtes jamais satisfait. Lorsque j'aurai des enfants, cela va tout finaliser. Alors je dis, Seigneur, voici ce que je cherche maintenant, la seule chose que je cherche, un enfant. Mais vous avez un enfant déjà. Après un enfant,
Êtes-vous satisfait? Pas encore. Non. Mais quelle que soit la chose que vous possédez dans ce monde, vous allez boire de cette eau et vous aurez encore soif. Mais l'eau que je te donnerai, alors deviendra en toi une source de salut, la vie éternelle, un fleuve coulant à la vie éternelle. Donc c'est pourquoi c'est dit au verset 3 ici, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Le Seigneur nous dit donc ici de venir, viens prendre cette eau de vie. Voyons, Ésaïe 55, nous lisons le verset 1. Ésaïe 55, nous lisons à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous voyez encore cela. C'est l'eau dont le Seigneur parle. L'eau de vie, l'eau vive, l'eau qu'il veut utiliser pour purifier, pour laver, pour satisfaire et pour accomplir. Le désir, satisfait le désir de votre cœur, non seulement dans ce monde, mais dans le cœur à venir. Venez tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien, payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, donc, et vous, c'est la condition d'écouter attentivement de tout votre cœur, de toute votre âme, prêtez attention. Écoutez-moi donc, et vous mangerez, et puis dit, ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ainsi qu'il faut avoir l'eau. C'est ainsi qu'il faut avoir le salut. C'est ainsi qu'il faut avoir la justice. C'est ainsi qu'il faut obtenir la vie éternelle. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant fasse quoi? Dites-le-moi à haute voix. Oui, mais il y a une façon d'avoir cette eau de vie, cette eau vive. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est la pensée qui produit l'action ou l'acte. C'est la pensée qui produit le comportement. C'est la pensée qui génère ou engendre la conduite. Alors ce que vous faites, si vous êtes injuste, si vous êtes inconverti, un pécheur, un transgresseur, c'est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Pourrons-nous avoir un amen là-bas? Abondamment, abondamment, abondamment. Lorsque Dieu nous pardonne, il y aura un changement de vie, il y aura un volte-face, il y aura une transformation. Il pardonne, oui, il pardonne, Dieu pardonne. Mais quand il pardonne, il nous purifie aussi. Jean chapitre 8, 11. Il pardonnera, il pardonnera abondamment, un Dieu miséricordieux, un Dieu aimable, un Dieu qui pardonnera abondamment. Avec ce pardon qui vient, il y a une transformation, il y a un changement de vie, une nouvelle vie, il y a la justice. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. C'est le pardon, c'est la miséricorde de Dieu. Va et fais quoi? Dites-le-moi à haute voix. Va et ne pêche plus. La femme était prise en flagrant délit d'adultère.
et la loi de Moïse pourrait tuer cette femme. Les gens étaient soif. Les gens avaient soif de son sang. Il dit, Jésus, que dis-tu? Il dit, quiconque parmi vous n'a pas de péché, qui lance la première pierre, tous s'en allaient condamner. Et la, Jésus dit à la femme, quelqu'un t'a-t-il condamné? Il dit, non, personne ne m'a condamné. Alors, le Dieu miséricordieux que l'eau devient en moi va t'atteindre, mais va et ne pêche plus, et nous donne la puissance, le pouvoir d'aller, de ne plus pécher. Vous serez affranchis dès ce jour au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 6. Après le pardon, il y a une vie pure. Après le pardon, il y a une vie sainte. Romains chapitre 6. Nous lisons le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, affranchi du péché. Affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et dites-moi, qu'est-ce que je suis là-bas? Pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 8 verset 1, Romains 8 verset 1, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi pas la condamnation? Parce que nous sommes pardonnés, nos péchés sont ôtés, la condamnation est ôtée, la damnation est ôtée, et cela provient du rocher frappé, cela provient du Christ frappé. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, cette vie éternelle coule à vous. Il s'est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. M'a quoi? Je prie que vous soyez affranchi. Il dit, je prie que vous soyez affranchis, affranchis du joug, affranchis des chaînes du péché, qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Et nous affranchit, je prie que vous soyez candidats de cet affranchissement au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, la pleine sanctification, l'entière sanctification, très beau, la beauté de la sanctification dans la vie des gens qui regardent le rocher frappé et la puissance de vivre au-dessus du péché, pas le péché extérieur, mais le péché intérieur. Cette puissance rentre en nous et nous affranchit complètement. Aujourd'hui, vous êtes affranchis. Aujourd'hui, vous êtes affranchis. Vous rappelez-vous, nous parlons de l'eau et nous disons que cette eau-là qui coule du rocher représente la plénitude des bénédictions spirituelles provenant du côté de la côte de Christ. Nous avons vu l'eau-là comme le salut. Nous voulons voir maintenant l'eau-là comme le moyen pour notre sanctification. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Quel message? Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la... Faire quoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vous voyez que l'eau là qui était sortie du rocher, nous avons maintenant une autre partie de cette eau. Et le côté qu'on y ajoute, c'est que l'eau là que Dieu va utiliser pour amener la sanctification, pour amener la sainteté, la sanctification, la pureté dans votre vie, à ma vie, à la vie de l'Église entière. Les fils, les pères, les mères, les filles, toute la famille, les nouveaux venus, les dirigeants, les membres, tout le monde, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout est fait par l'eau
provenant du côté du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 25. Afin de purifier. Verset 6. Afin de la purifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est l'eau là qui sort de ce côté de Christ. Lorsqu'il était frappé, l'eau est sortie. Lorsqu'on l'a frappé, l'eau est sortie, le sang est sorti. C'est par le biais de cela que ce qui sort de Christ nous sanctifie, afin que l'Église, afin qu'il se présente une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur le fera. Je dis, le Seigneur le fera. Ouais, parfois, lorsque le Seigneur répète quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à maintes reprises, et il doit avoir une intention de faire cela. Voyez comment le Seigneur nous conduit. Le Seigneur est souligné. Aujourd'hui, souligner la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La répétition est pour l'accent. La répétition, c'est pour nous rappeler que ceci est vraiment le cœur de Dieu. On voit le symbole, l'eau. Que cette eau est aussi, cette eau va produire, va nous accorder la sainteté et la sanctification. Au fait, la promesse nous a été donnée en Luc. Chapitre 1, Luc 1, voilà le verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tout et non de certains, de tous ceux qui nous haïssent. Le sacrifice de Jésus a rendu ceci possible. La préservation de l'ennemi, la protection de la main des ennemis, la puissance qui triomphe des ennemis. Et là, il s'est dit, c'est un 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Que diront-ils si je donne ma vie au Seigneur? Que diront-ils si je mène une vie sainte? Une vie sainte à la maison, une vie sainte au bureau, une vie sainte dans le voisinage, une vie sainte parmi les religieux. Que diront-ils? Ne vont-ils pas dire que, qu'essaies-tu de faire? On est ensemble, on marche sur cette voie de plus fort longtemps, mais veux-tu nous montrer que tu es meilleur que nous? N'ayez pas peur de ce qu'ils diront. Voici la provision du Seigneur. Voici la qualification qui vous qualifie pour le ciel là en haut. Et c'est dit, afin de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ouais, parfois, lorsque vous lisez cela, vous vous demandez, est-ce possible dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie, devant le Dieu Tout-Puissant et non devant l'homme, et dit tous les jours de notre vie. Vous pensez à cela? Est-ce que quelqu'un peut faire cela? Est-ce possible pour un homme la sainteté de vie la sainteté de vie devant Dieu tous les jours de la vie? Parfois, cela nous donne l'encouragement. Lorsque nous voyons quelqu'un qui a fait ce que nous essayons de faire, quelqu'un qui est arrivé à là où nous voulons être, et tout doute se dissipe. Et on dit, mais si Dieu peut le faire pour lui, si Dieu peut le faire pour elle, Dieu peut le faire pour moi. Il le fera pour vous. Je dis, il le fera pour vous. La sainteté et la justice
tous les jours de notre vie. Y a-t-il des gens qui étaient pareils comme ça au départ? Je veux que vous écriviez le mot sainteté, holiness en anglais. Le mot holiness en anglais, sainteté en français. Est-ce que vous savez comment on peut épeler cela? Dieu va épeler le mot holiness qui est sainteté dans votre vie. J'ai besoin de amen là-bas. Et il y a H qui est on a pour Ézéchia en anglais. Ézéchia, si Dieu l'a fait pour des gens et l'homme. Et Dieu n'a pas dit que Ézéchia, tu mens, cela n'est pas possible, tu n'as pas mené une vie sainte. Il a mené une vie sainte. Deuxième roi, chapitre 20, et verset 1. En ce temps-là, Ézéchia fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et le dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchia tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » C'était possible pour Ézéchia, ce sera possible pour vous. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté 15 ans à sa vie. Ne vous l'ai-je pas dit que la sainteté ira avec la guérison. La sainteté ira avec la joie. La sainteté, la joie, la santé. Cela va ensemble. L'homme l'a dit, Seigneur, vois ma vie. Je marchais devant toi avec droiture et avec intégrité de cœur. Le Seigneur a dit, d'accord, j'ajoute 15 ans à ta vie. Le Seigneur prolongera votre vie. Le Seigneur prolongera votre vie. Vous n'allez pas mourir tout jeune. Alors, il vous rassasiera de longs jours au nom de Jésus-Christ. Il y a O qui est pour Abdia. Premier roi 18, et il travaillait dans un lieu difficile, il travaillait avec Akab, et il travaillait sous les yeux et sous le nez de Jézabel, mais l'homme est resté Saint-Juste. Certains disent que par sœur, là où je travaille, celui-là, les gens sont méchants, celui-là, on voule beaucoup, là, si tu ne voules pas avec eux, ils vont te noter. Voici ce qu'ils vont faire. Ces gens sont très occultistes, ils sont des occultistes, ils sont occultes. Ouais. Jézabel était occultiste, mais Abdia a mené une vie sainte. Vous allez mener une vie sainte. Je dis, vous allez mener une vie sainte. Premier roi 18 et verset 3. Et Akab fit appeler Abdia, chef de sa maison. Or, Abdia craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdia prit 100 prophètes. Qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Pouvez-vous penser à cela 3 ans et demi, tout le temps d'une famine, que Élie lui-même était au torrent de Kérit et les corbeaux lui amenaient de quoi manger. Et Abdia, voyant cette méchante femme, Abdia, avec le consentement du roi Akab, qui tuait le prophète de l'Éternel, et il a pris 100 personnes, 100 prophètes. Regardez, un homme qui travaille dans la maison de Akab, un homme méchant qui s'est vendu pour faire le mal, et Jézabel, une sorcière. Et cet homme travaille là-bas, et la sorcellerie ne l'a pas affecté, la méchanceté ne l'a pas plongé dans la boue, et il a mené une vie de justice constamment, tous les jours, et il a gardé ses 100 prophètes, et jour après jour, et semaine après semaine, mois après semaine, il va vers eux et les nourrissait de pain et d'eau et de l'eau. Un homme juste. Maintenant, il y a elle qui est pour Luc. Luc, voyons Colossiens 4, veut montrer qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous. Le Seigneur les a gardés juste saints. Et s'il les a gardés juste saints, il nous gardera juste au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Colossiens 4, verset 14. Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Dema. Luc, le bien-aimé, le médecin bien-aimé,
qui est aussi mentionné dans ce verset? Qui d'autre est mentionné dans ce verset? Ainsi que Démas. Alors, 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Quelqu'un qui était avec Luc et avec l'apôtre Paul, et il allait, rentrait, sortait. Ils sont des amis intimes, des co-ouvriers, des compagnons d'œuvre. Démas a décidé de rétrograder. Luc a dit que c'est toi. Quant à moi, j'ai décidé, je vais continuer de suivre. Verset 11. Luc. Seul est avec moi. Mais il était vraiment un médecin bien-aimé. Il a laissé la profession médicale pour suivre l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez les actes des apôtres, lorsqu'il dit nous, Luc écrivait, il a tout abandonné, la consécration totale à l'engagement au Seigneur. Même lorsque Démas a abandonné cet homme de Dieu, ce Luc était toujours là. Ça, c'est la constance, ça, c'est la continuité. Il faut continuer même si les autres rétrogradent. Il y a là-bas I et qui est pour Esaïe. Voilà, Esaïe chapitre 6. Qu'on va ces gens-là. Si vous allez mener une vie sainte, ce doit être une décision personnelle. Vous n'allez pas dire que, et ouais, vous voyez, et mes amis, mes compagnons d'œuvre, mes collègues, mes confidents sont retournés au monde. Je n'ai plus d'encouragement. Comment pourrais-je mener une vie consistante? Mais regardez Luc. Luc a continué de suivre le Seigneur. Quoique des masses soient parties. Quelle que soit la personne qui reste ou pas, vous allez dormir avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Esaïe chapitre 6, verset 5. Esaïe avait vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a dit, « Alors je dis malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. » Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il y a la sanctification. Il était sauvé au départ. N'est-ce pas lui qui a dit, venez et plaidons. Et dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi sera blanc comme la neige, après ce salut, alors vient la sanctification. Il est venu devant le Seigneur, il a vu la gloire de Dieu, il a vu la beauté de sa sainteté, comme les séraphins criaient saint, saint, saint. Il commençait à avoir cette poursuite, cette passion, ce désir, et voudrait cette sanctification, il voudrait cette sainteté, et que le feu de Dieu était pris de l'autel et s'est mis à ta bouche, que ceci a touché tes lèvres, et ton péché est expié, tu t'es ôté. Le même Dieu qui l'a fait pour Esaïe, il le fera pour vous. Je dis, il le fera pour vous. Mais vous savez pourquoi Dieu l'a fait pour vous? C'est parce que ces gens-là, ils désiraient la chose. Ils poursuivaient la chose. Ils priaient pour la chose. Ils avaient la passion pour la chose, disant, Seigneur, voici ce que je veux. Il l'a fait pour Ézéchias, il l'a fait pour Abdias, il l'a fait pour Luc, il l'a fait pour Esaïe, il l'a fait pour Néhémie. Ouais, Néhémie au chapitre 13. Ouais, Néhémie 13, verset 23. Néhémie, c'est lui qui était les chansons du roi. Cependant, dans ce palais, il était en mesure de mener une vie de justice. Lorsqu'il avait pris que les murailles de Jérusalem étaient consumées par le feu, démolies, cela l'a brisé. Il a commencé à pleurer, invoquer le Seigneur. Comment cela peut arriver? Alors, jusqu'à ce que la passion et le désir qu'il avait,
l'a conduit à rebâtir les murailles de Jérusalem. Le roi l'a vu que Néhémie, tu te présentes très triste, tu te présentes très morose. Tu n'étais pas comme ça au départ, mais je crois, mais pourquoi ne pas être triste lorsque Jérusalem, la ville de mes anciens, a été consumée, les murailles démolies. Le roi dit, mais que cherches-tu? Envoie-moi, j'irai là-bas et rebâtir ces murailles. Lorsque vous êtes saint, vous serez passionné. Si vous êtes saint, vous allez vouloir rebâtir les murailles. Si vous êtes saint, vous serez zélé pour la justice. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils sont sanctifiés, ils sont saints. Et quand ils voient le péché tout autour d'eux, alors cela ne brise pas leur cœur. Quand ils voient le péché, les pécheurs demeurer dans leur péché, cela ne leur brise pas le cœur. S'ils voient les rétrogrades qui rétrogressent plus, cela ne brise pas leur cœur. Quand ils voient les gens s'enivrer, parfois les gens ivres, alors sont fous et ils prennent la parole de Dieu pour plaisanterie et ils ne sont pas passionnés, cela n'amène aucun zèle en eux. Mais c'est Néhémie, voyant que les murailles, l'héritage du Seigneur a été démoli, alors cela a amené les larmes en lui. Et puis le roi, ayant remarqué cela, voyons Néhémie 13, verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes adodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'adodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Si vous êtes saints, vous allez combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La sainteté ne vous rend pas tiède, froid, léthargique. Le royaume, la sainteté ne vous rend pas insensible. La sainteté ne vous rend pas insensible. Ça ne vous immune pas contre les choses. Ça mène le feu dans votre vie. Vous allez vouloir que quelqu'un sort du péché de la rébellion pour venir au Seigneur. Et dit que je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Je prie qu'il ne vous entraîne pas au péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre votre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain de ses sacrificateurs, était jambe de Sambalat, le horonite. Je le chassais l'un de moi. Je dis, quitte ici, tu ne peux jamais être mon ami parce que tu es ami d'un ennemi de Dieu. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, quand ils ont sué le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, c'est la sainteté. Une personne qui se répugne contre le péché, que cela ne va pas s'enraciner. Le péché ne va pas s'enraciner dans notre église. Il y a aussi eux là-bas qui est pour Enoch. On va à Genèse 5, 22. Genèse 5, 22.
Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il était très saint, très juste et très pur, que le Seigneur a dit qu'il ne va même pas lui permettre de voir la mort, qu'il ira à la gloire sans voir la mort. Et le Seigneur l'a fait pour lui. Le Seigneur le fera pour vous. Le Seigneur le fera pour vous. Vous êtes là, il le fera pour vous. Il y a Ézéchiel était saint, Abdiel était saint, Luc était saint, Esaïe était saint, Néhémie était saint, Enoch était saint, je serai comme eux. Je dis, je serai comme eux. Maintenant, nous venons à un esclave qui est Samuel. Là. Vous voyez, vous voyez les personnages de l'Ancien Testament, comment le Seigneur a agi dans sa vie de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Voyons ce que la Bible a dit de lui. Jérémie 15, 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, pensez à Dieu maintenant qui appareillait Moïse et Samuel. Samuel a mené une vie de sainteté de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Premier, voyons le témoignage de Samuel, comment il a confronté les gens, comment il les a défiés, que vous pouvez rendre témoignage de moi, de qui j'ai pris la brebis. 1 Samuel 12, verset 3. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Si ces gens pouvaient réussir, nous allons réussir. Nous allons réussir cela. Vous rappelez-vous lorsque Samuel était petit et Finé, son frère était là, des enfants terribles de Élie, aussi terribles, pervers qu'ils soient. La conviction que le Seigneur a donnée à Samuel, Samuel a continué. Vous avez reçu la grâce de Dieu. Et l'eau qui coule du côté de Christ vous a atteint. Je vous dis que cette sainteté-là, le Seigneur l'amènera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le dernier SSR, Étienne. L'homme-là était pur. L'homme-là était saint, sanctifié. Voyons ce qu'ils ont fait. Mais pas de colère, pas d'amertume, pensez à ceci. La sainteté dépouille la colère, dépouille la furie, la sainteté fait dépouiller de la colère et de la furie. Il y a des gens que peu de choses, ils s'irritent, la nourriture retarde un peu, ils s'irritent et la colère va amener certains actes. On dit que tel monsieur se fâche. Ouais. Il y a des gens qui disent que tel frère se méfie, frère et colère, telle sœur, la sœur se fâche, sœur et colère. Jésus a dit que la colère la peut conduire en enfer. Alors il faut vous en dépouiller. Lorsque vous êtes sauvé, sanctifié, alors cela ôte la colère de vous. Vous pouvez être un enseignant, corriger vos enfants sans vous irriter. Vous pouvez corriger vos ouvriers sans vous énerver. Le cas d'Étienne, il était saint et la sainteté a amené le caractère irrépréhensible en lui. Acte des apôtres, chapitre 7 et verset 51. Homme au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Vous pouvez être saint et dire la vérité. Vous pouvez être saint, dire au menteur qu'il est menteur, dire au méchant qu'il est méchant. Vous pouvez être saint et dire la vérité aux gens, prêcher la vérité de façon
prophète et dit est-ce que lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué et ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire, à la droite de Dieu. Si vous êtes saint, lorsque vous serez sur le point de quitter, vous verrez la gloire vous attendant, vous verrez le Seigneur vous attendant, vous verrez les demeures vous attendant, et dit, voici je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il ne s'était pas fâché. Et puis, il s'étant mis à genoux, il s'écriait d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, aie pitié d'eux. » Et après ces paroles, il s'endormit. Je vais vous dire que c'est l'une des prières qui a converti l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est venu dans le royaume. Est venu dans le royaume par la prière de cet homme et dit que faut pas leur imputer ceci. Le Seigneur l'a fait ceci. Le rocher frappé, le Christ frappé a fait tout pour que vous puissiez être saints, comme Ézéchiel, comme tous les anciens, comme Enoch, comme Samuel, comme Étienne. Le Seigneur le fera pour vous. Je dis le Seigneur le fera pour vous. Troisième point, nous allons voir la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit à travers le Christ frappé. Je vais vous rappeler une fois encore que le rocher était frappé et l'eau en était sortie. Je vous ai montré de la parole de Dieu que l'eau, la numéro 1, représente le salut. 2, l'eau, la représente la sanctification. 3, l'eau là représentait le baptême dans le Saint-Esprit. Voyez cela. La provision abondante et la suffisance sortant du rocher. Voyons Jean 7, verset 37. Jean 7, voyez le verset 37 qui dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est l'eau encore. Et c'est le rocher frappé qui produit l'eau vive pour le salut, l'eau vive pour la sanctification, l'eau vive pour le baptême dans le Saint-Esprit. Tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on doit avoir pour avoir les péchés pardonnés, tout ce qu'on doit avoir pour être saint juste, tout ce qu'on doit avoir pour avoir la puissance du Saint-Esprit, cela sort de ce rocher frappé du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'eau là et l'Esprit venait de Christ. Le baptême du Saint-Esprit viendra sur vous aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous aujourd'hui. Et quand cela vient, quand il vient, il y aura le rafraîchissement dans votre vie. Il y aura le réveil dans votre vie. Il y aura le renouvellement dans votre vie à cause de l'eau qui coule de Christ. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit venant sur les saints, sauvés, sanctifiés. Actes chapitre 2, 33.
élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il était élevé par la droite de Dieu le Père. Maintenant, il nous l'envoie. Et cette promesse est à vous aujourd'hui. La promesse là est à vous aujourd'hui. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le salut est pour vous, la sanctification est pour vous, le baptême dans le Saint-Esprit et la puissance est pour vous aussi. Est-ce que vous y croyez? Je dis, est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, c'est pour vous. Où êtes-vous? Pourquoi ne pas lever la main? Vous croyez que c'est pour vous? La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pourquoi ne pas vous lever pour dire que Seigneur c'est pour moi? Quand l'eau sort du rocher au désert, tout le monde en a bu, tout le monde en a bu, tout le monde en a bu. Je vais boire maintenant, je vais boire maintenant, je vais boire maintenant l'eau de vie, le fleuve d'eau vive coulant du côté de Christ. Cela vient à vous maintenant. Pourquoi ne pas le dire au Seigneur? Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Remplis-moi. Remplis-moi à satiété. Remplis-moi à débordement. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Si vous avez assoiffé, vous pouvez boire. Alors, il faut prendre votre salut de ce puits avec joie. Alors, il faut puiser le salut de ce puits avec joie. Seigneur, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de cet affranchissement. Et si tu bois de cette eau ordinaire, tu en seras encore soif. Mais si tu bois de cette eau que je te donne, tu n'auras plus soif. L'eau la deviendra en toi. Un fleuve d'eau vive, coulant. Tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif d'adultère. Tu n'auras plus soif de fornication. Tu n'auras plus soif d'alcool. Tu n'auras plus soif de cigarettes. Tu n'auras plus soif de tabagisme. Tu n'auras plus soif des choses de ce monde. Mais cette eau te donnera le repos, la satisfaction. Cette eau va te donner le contentement et te donnera et ta vie sera complètement changée, complètement transformée. Le salut, sois purifié, sois lavé. Et puis, la sanctification. Jésus, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par cette souffrance, par cette expiation, par le sang versé par Christ, il nous donne notre sanctification. Cela nous donne notre sainteté. Nous n'avons pas d'excuses, on n'a pas d'excuses. Ceux qui nous ont précédés, ils l'ont eu. Leur environnement était impur, mais ils étaient purs. Les gens autour d'eux étaient injustes, mais ils étaient justes. Les gens autour d'eux étaient corrompus, mais ils en étaient sortis purs. Ils avaient l'intégrité et la justice. Et le Seigneur dit, il n'est pas fatigué de sanctifier les gens. Il n'est pas fatigué de rendre les gens saints. Alors, allez toujours avec cette colère. Soyez purifiés. Soyez lavés, épurés. Soyez sanctifiés et que la puissance du Saint-Esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme dit l'Écriture. Et il parle du Saint-Esprit. Courant ceux qui ont cru en lui. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Christ n'était pas encore glorifié. Et puis il était allé au ciel, étant glorifié, élevé à la droite du Père. Alors il a répandu le don du Saint-Esprit que vous voyez et que vous entendez. Et la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et à tous ceux que notre Dieu appelle, sauvés, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, les baptisés du Saint-Esprit, enveloppés, fortifiés par le Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour vous. Le salut gratuit est pour vous. La pleine sanctification est pour vous. La plénitude de l'Esprit, tout est disponible pour vous. Il le fera pour vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera baptisé dans le Saint-Esprit. La promesse du salut, la promesse de la sanctification, la promesse du baptême de l'Esprit, tout est pour vous. Au nom de Jésus, nous prions. Et si vous croyez que c'est ce qui vous sera accordé maintenant, au nom de Jésus, nous prions. De l'eau vive coulant à votre âme, à votre esprit, à votre corps, au nom de Jésus, nous prions. Vous allez boire, vous ne serez plus assoiffé, et toutes les choses de ce monde dont vous avez soif, les choses que vous cherchez, ces choses sont ôtées, même aujourd'hui, comme cette eau vive vient dans votre vie, au nom de Jésus. Si vous y croyez, puisque vous croyez, il y aura le débordement dans votre vie. Il y aura le débordement. Le plein salut viendra, la pleine sanctification viendra et la plénitude de l'Esprit viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez les mains vers le Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que l'eau qui était sortie du rocher au désert symbolise, nous représente l'eau du salut, l'eau de la sanctification, l'eau du baptême du Saint-Esprit sortant du côté de Christ et de la main de Christ. Et nous recevons maintenant de cette eau au nom de Jésus-Christ. Et comme cette eau de vie vient à tout le monde maintenant, les choses dont on avait soif, on n'en a plus soif. On n'a plus soif de la modernité, on n'a plus soif du péché, on n'a plus soif du mal, on n'a plus soif de l'amour de l'argent. Seigneur, affranchis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et puis, l'eau de la sanctification qui purifie, qui lave, qui épure, qui rend saint, juste. Seigneur, je prie que la pureté venant du trône de Dieu accorde-la à chaque enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Rends-nous saints, rends-nous saints, rends-nous purs, rends-nous droits et parfaits. Des gens comme Ézéchias, des gens comme Abdias, des gens comme Luc, comme Esaïe, ce que tu as fait pour eux, fais-le pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ.
comme Néhémie qui n'était pas tiède. Néhémie était un homme enflammé pour le Seigneur et il n'est pas un simple chrétien, il n'est pas un simple croyant, il n'était pas un homme tiède. Quand il voit le péché, il a traité avec l'affaire du péché. Je prie que nos dirigeants dans cette église, nos pasteurs dans cette église, nos dirigeants dans cette église, nos ouvriers dans cette église, tous les dirigeants de section dans l'église, que tout le monde soit comme Néhémie au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas tolérer le péché. Nous n'allons pas fermer les yeux sur le péché. Nous n'allons pas plaisanter avec le péché. Nous n'allons pas badiner avec le péché. Et partout où est dans n'importe qui, que ce soit un ancien, un nouveau, quelqu'un qui professe être sauvé, être membre de cette église, Seigneur, lorsque nous voyons le péché, nous allons menacer le péché. Nous allons traiter avec le péché selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette église sera sainte et entièrement sainte. Cette église sera entièrement sanctifiée. Nous prions, Seigneur, que le feu de Néhémie, que tu l'introduises dans chaque partenaire de groupe, dans chaque dirigeance de femmes, dans tous les ouvriers, dans tous ceux qui te servent au nom de Jésus-Christ. Comme Enoch a marché avec toi tous les jours de sa vie, dans l'âge de 65 ans jusqu'à 365 ans, nous prions, Seigneur, que tu donnes la même grâce. Donne-nous la même piété, afin que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, quels que soient les gens autour de nous, font ce qu'ils font, que nous soyons fermes dans cette sainteté au nom de Jésus-Christ. Comme Samuel, rends-nous saints et justes. Comme Étienne, pas plus de colère. Seigneur, point de colère. Ôte la colère et déracine cela de chaque vie, de chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit, l'eau du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vienne sur chaque vie. Seigneur, que nous allions dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, avec l'énergie de l'Esprit de Dieu, et que nous sortions vainquants et triomphants au nom de Jésus-Christ. Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous serons des témoignages de Christ à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. Nous prions qu'à partir de ce jour, tous ceux qui ont participé à ce programme ne soient plus les mêmes. Que cette eau satisfasse votre cœur et que chaque jour, que cela renouvelle votre consécration, votre engagement au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise Amen. Et que le peuple fidèle de Dieu, le croyant de Dieu, le peuple croyant et fidèle de Dieu dise Amen. Je prie que ce que vous avez reçu demeure en permanence dans votre vie au nom de Jésus.